Salut, station fréquence, et bien ça y est, 21h00, les bandes sur 1351 Belphégor, les bandes sur 1351 Michel, de la part de Dandy 33, et c'est parti pour le QSO national du canal 27. Alors, on est le vendredi 24 février 2017. Voilà, sur la fin de ton message, ça a baissé, t'es descendu d'un Santiago de 3 à Santiago de 1. Les bonnes sont 13 à toi, comment vas-tu? Écoute, Michael, oui, je comprends pourquoi. Oui, ça va très bien, Rémi. Écoute, continue tes vidéos, c'est super sympa. Écoute, très bien, bon, malgré que, voilà, activité radio, c'est petit, et j'ai pas grand monde en ce moment, que ce soit mobile ou autre, hein. Après j'ai pas trop le temps et je suis au boulot toute la semaine et je travaille le samedi matin comme tu le sais, donc je passe vite fait. Non mais c'est très fréquent, mais la profane est très petite, hein. Allez, retour Rémi. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Bah, demain soir, je serai à nouveau là aussi. Hein. Et ce week-end, bah, pareil au pro, hein, comme le week-end dernier. 7h au pro. On m'aime en ce moment le week-end. Hachis trois coups. Il y a Michel. Et Michel, en avant. Ok, merci. Et j'espère que ce soir, on va poursuivre cette interaction CIBI, Internet CIBI. Car c'est vrai que cette interaction entre les deux est quand même l'avenir de la CIBI, qu'on le veuille ou non. Et sauf erreur de ma part, je me trompe peut-être, je vais peut-être dire une connerie, mais je crois que l'Espagne fonctionne ou peut fonctionner comme ça. Il y a un dossier à creuser là. Retour Michel. Oui, je laisse un petit blanc éventuellement pour les nouveaux venus, mais je vous signale qu'il n'y a pas qu'Internet qui aide. Je vous signale que l'ami Michel de Toulouse, qui s'est équipé, comment dirais-je, en matériel radio et en antenne publique à quad, il y a rien. Affirmatif, mais de toute façon, c'est vrai que en ce qui me concerne, il y a longtemps que j'en étais convaincu, hein, que cette interaction CIBI, Internet CIBI était obligatoire. Il y a que en montrant justement de quelque chose de nouveau, enfin sans être vraiment nouveau, parce que ça fait quand même des années que ça existe, sauf qu'on n'en parlait pas, et puis c'est tout, quoi. Mais c'est vrai que c'est quand même, c'est pas du DX, ça n'a rien à voir avec le DX, c'est clair. C'est montrer une autre facette de la radio, justement, aux gens qui sont sur Internet. Parce que l'interaction CIBI-Internet-CIBI ne veut en aucun cas dire amener les gens de la CIBI sur Internet, mais c'est plutôt l'inverse. Ramener les gens d'Internet sur la CIBI en montrant les différentes applications qu'il peut y avoir. Voilà, retour Michel. Si j'ai bien compris, c'est ça, hein. Ouais, Michel. Ah, le retour Belphégor. Ouais, mais écoute, je vous entends, mais
Ok, et eh bien là c'est à nouveau du Santiago 3 et c'est vrai que j'ai un QRM là derrière qui est un peu là quand même. Ok, est-ce qu'il y a d'autres stations là pour le QSO national canal 27? Je sais pas. Eric par exemple? Maintenant c'est vrai qu'on commence tout juste. Ludovic, Dolu 33, tu es parti ou tu es là ce week-end? Ok, alors d'abord je vais te faire le QSP, la tour de contrôle te reçoit à 53-54, hein, ce qui est quand même pas mal. Non hélas, j'ai pas eu le temps de voir les vidéos, aujourd'hui j'étais un petit peu absent, avant ça j'ai passé la deux journées là au Pro, et ce qui fait du coup j'ai pas été trop présent sur internet. Alors les stations à fréquence pour le QSO national du canal 27 en avant. Alors, il y a une station qui m'arrive avec un Santiago de 1, voire 1 demi-point, à moins que ce soit les QRM qui m'aient fait monter le signal, HI3 coups. Les bancs sont 13-51 de la part de Dandy 33, 14 Delta Romeo 33, QTH Sainte-Colombe. Alors, j'ai entendu parler dans le lointain, j'ai bien vu que c'était un OM qui parlait, non pas une YL, mais j'ai pas compris plus. Retour de micro sur Michel. Ça par contre c'est bien dommage, parce que ça fait quand même partie de cette interaction qu'on peut faire justement avec internet. Moi je suis pour, hein, y a pas de problème. Et les autres EM habitués du QSO, d'ailleurs c'est étonnant, je les entends pas ce soir pour le moment. Bon il est que 21h10, hein, il est peut-être encore un peu tôt quoi. Ils sont peut-être en train de terminer le café et puis le pouce café, j'y trois coups. Mais moi ça me dérange pas du tout, hein, bien au contraire Michel. Hein. Ça met le petit plus on va dire dans le QSO. Et je peux te dire que en ce qui te concerne, les gens apprécient drôlement justement cette interaction qu'il y a, car ça montre ce qui est possible une évolution de à ce niveau-là quoi. J'ai encore répondu à quelqu'un aujourd'hui, bien au contraire, les gens sont pour. Hein. Vous saluer, je pense qu'elle va le faire. Roselyne,
Ok, merci Rosine. Les gros 88 retournés ouais, de la part de Dandy 33, QTHE, ben, Sainte-Colombe, entre Saint-Émilion, question à la bataille. Eh ben, toi, Michel, ça fonctionne. Voilà, c'est ça le principal. Par contre, de mon côté, la radio est pas très claire, mais toi avec, hein, est-ce que tu peux me répéter le QTH ou tout du moins la direction? Ok, d'accord, merci. Par contre, c'est que j'y suis. Dans son ministère de Toulouse, qui lui est équipé en antenne super adéquate et antique. Lui, il a le tout blessé. Il reçoit des deux côtés, aussi bien éventuellement sur la radio que via Internet. Alors, si vous le permettez, je vais lui poser la question ce soir. Zut, cette mémoire de poisson rouge. Eh oui, ça durait plus de 2 secondes, j'ai zappé. Mais bonne surprise à toi, Michel, voilà, de la part de 14 Delta Romeo 33, QRZ local, Dandy 33. J'ai zappé malencontreusement les chiffres à la fin de l'indicatif. Alors j'ai 14 FRA et désolé, la suite, je l'ai bouffé. Ok, merci, tout ça retourné. Ben, retour Michel. Break. Oui, Ludovic, enregistre le break. Oui, retour Michel. Oui, merci pour le retour, mais je pense qu'il y a eu un petit break. Et je vous présume de bien notre petit voisin Eric. Alors, retour à toi, Eric. Michel, Rémi aussi, et puis j'ai cru comprendre qu'il y avait derrière aussi les Toulousains, Michel, et puis il doit y avoir Rosine aussi, je suppose, dans les parages, voilà. Donc les 88 à Rosine, et puis les amitiés aussi à Michel, voilà, j'espère que vous allez tous bien. Ben Michel, je te retourne le micro, puisque ça t'était destiné à l'origine, donc voilà, il n'y a pas de souci. Tout le monde, et si ça les plaît, mais on les aura tombés, c'est tout.
Pas question, Michel, pas question. On continue comme ça et j'espère que je se module personne. Ok, c'est bon. Non. Je suis pour justement cette interaction Internet, CBI Internet. Ou plutôt CBI Internet, CBI. Je suis pour. Les autres OM du groupe qui sont là habituellement sont pour aussi. Les écouteurs qu'il y a de différentes façons sur YouTube, ça, sont également pour aussi. Donc on continue comme ça. Ah oui, au fait, on m'a demandé de passer un petit message pour la vidéo. Les 73-51, histoire de faire un petit clin d'œil. Les 73-51, toi Gilles, 9 bravo Charlie, 555, qui aimerait tant faire partie du QSO, mais qui hélas, la propague ne le permet pas. Voilà, retour à toi Ludovic. Break. Oui, merci du retour micro. Enregistré le break. Oui, effectivement, cette année, j'ai l'impression qu'on n'a pas eu beaucoup de chance sur la propague d'hiver pour aller jusqu'au Canada, mais voilà, c'est comme ça. Les couloirs assez courts, hein. Cet hiver, on peut dire qu'on est un peu sec au niveau de propagation, mais c'est comme ça. C'est la vie, ça ira mieux cet été, comme l'été dernier, on entendra les Espagnols tous les soirs, on aura le commandante sur le 555 qui va nous squatter la fréquence, ça va être sympa, voilà, si. pour ce qui est de l'interaction sur Internet, moi j'ai rien contre, j'ai pas spécialement d'avis, hein, voilà, c'est sympa, je suis content d'avoir du monde, qui y ait du monde un peu plus dans le QSO comme ça pour... Ça permet d'animer, puis c'est rigolo aussi, ça permet aussi à des personnes peut-être qui sont un peu plus éloignées de nous, qui ne peuvent pas participer, qui n'ont pas forcément de QSO national dans leur région aussi, de profiter de tout ça, donc c'est très bien. Donc voilà, j'ai pas spécialement d'avis, moi faut continuer, hein, c'est bien, hein, voilà, il n'y a pas de souci Michel. donc voilà, là, il devrait peut-être y avoir Fredo qui débarque dans le coin, il avait dit qu'il serait disponible ce week-end pour le QSO, alors je sais pas si ça comprenait le vendredi et le samedi, mais voilà, il sera peut-être derrière tout à l'heure. Par contre, moi j'ai pas fait très long parce que on a prévu de faire du papier peint ce soir, hein, donc on a réussi à poser quelques laits de papier dans la piole là tout à l'heure, et il reste un petit peu de travail, donc je vais rester encore quelques minutes là dans le QSO pour profiter quand même un petit peu, puis après je vous laisserai continuer, voilà, retour Rémi. Ok, il y a eu un break avec ta permission, en avant le break, Belphégor, vas-y. Oui, c'est moi Rémi, merci de me laisser la parole. Oui Rémi, j'ai exercé cause pro demain matin, et j'espère que tu comprends, mais je suis sûr que tu comprends. Non, juste pour te dire que voilà, oui, peut-être laisser un peu de place aussi au département 47, il y a pas mal d'OM là, dans le secteur, pas mal d'OM, de partager aussi, donc voilà, pas toujours sans frais, peut-être sur le 3, pas mal d'OM là, je sais, pas mal d'OM aussi, il y a Jeannot, il y a Christian, pas mal d'OM aussi sur le 47, voilà, pour voir un petit peu, pour essayer de développer le QSO du vendredi, le samedi soir, voilà, retour Rémi. Ok, oui, non, mais ça, bien sûr, là, il faut qu'on retrouve là, tous les OM que nous avons perdus, là, au fur et à mesure, et les OM du 47 ou des autres départements, faut bien qu'ils comprennent que si on leur répond pas, ben, c'est tout simplement parce qu'on ne les entend pas, c'est ça le truc, on n'entend pas forcément tout le monde, certains, il y en a qui peuvent s'égosiller autant qu'ils peuvent, si on les entend pas, bon, ben, hélas, hein, c'est la loi des ondes qui veut ça, quoi. Voilà, retour Fredo, est-ce que tu es derrière la porte? Oui, ça, mais... Oui, Michel. Je vous vois parce que pour rien, mais c'est l'or, et que tous les amis du 47, et tout, que ça soit l'ami Jean-Paul, et tous les amis du 47, les amis de l'Africa, c'est du 495, 1730, ça fait plus de 10 ans que le vieux papy les contacte le restant de la semaine, mais par contre le vendredi et le samedi soir, je les laisse entre eux, mais j'essaierai de leur demander de venir nous retrouver, quand c'est calme, il n'y a pas de problème. Moi, le vieux papy, il a tout le contrôle et les grandes oreilles, il écoute tout à l'heure. Mais attends,
Oui, retour Belfegor. Pas tout compris, j'ai pas tout compris. Mais bon, je suppose que tu m'entends, il n'y a pas de souci. Bon, c'est super, ça fait du bien. Hein. Voilà, par contre, je voulais passer un message à Rémi. Rémi, sinon, ce sera par internet, mais c'est pas grave. Mais tant qu'à faire, autant que ça passe par la radio. Je trouve, perso, l'idée du dimanche matin super sympa. Je répète, l'idée du dimanche matin du 10-12, très très sympa. Perso, bon, tu connais, je suis de la SST TV. Beaucoup de monde, pareil, pays étrangers ou autres, sont là le dimanche matin. Et c'est là où on peut capter un maximum de monde. Donc je trouve ton idée de QSO de 10h à 12h. Une excellente idée. Peut-être promouvoir là-dessus. Voilà, retour à vie. Alors, retirons pas ce qui appartient à César, c'est justement Dolu 33, Ludovic, voilà, qui fait en sorte de tenir le QSO du dimanche matin. Voilà, bon, l'idée a commencé, est partie là du Centre France, département 45, et Ludovic fait en sorte justement là tous les dimanches matins à partir de 10h de tenir le QSO. Donc voilà, retour à toi Ludovic. Dolly 33. Ludovic. Oui, pardon. J'ai mis laquelle derrière, elle me parlait en même temps, donc j'ai pas écouté la fin. Oui, effectivement, j'essaie d'être présent assez régulièrement le dimanche matin. Alors déjà, les bonnes 113-51 à Belfegor, que j'entends pas du tout. Désolé, j'ai rien. Enfin, j'entends dans le fond quelqu'un qui parle, mais alors j'ai pas plus ça. Hein, donc désolé. C'est négatif pour moi, mais bon voilà, ça m'empêche pas d'envoyer des amis en espérant qu'ils me reçoivent. Donc effectivement, ouais, je confirme sur le QSO du dimanche matin, j'essaie d'être présent. Alors je serai pas là dimanche matin justement, ce week-end malheureusement, ni demain soir. On a des petites occupations, mais voilà, effectivement, on essaie de faire tourner ça et on arrive à du coup avoir des OM qui sont pas libres autrement là. Notamment, il y a un OM qui s'appelle Hervé du côté de Mirambeau, là, sur le qui est à cheval un petit peu entre les deux départements, là, entre le 17 et le 33, qui se manifeste régulièrement le dimanche matin, et qui n'a pas spécialement la possibilité de passer autrement que le dimanche matin. Donc voilà, ça lui permet de profiter aussi des gens qui sont sur la région pour faire un QSO. Et c'est pas mal parce que le dimanche matin, justement, en question QRM, en général, on est un peu plus tranquille. On a généralement une fréquence un petit peu plus propre, donc c'est plutôt pas mal. On a de bonnes conditions là. On avait fait un QSO sympa avec un OM au nord de Gironde et un autre OM au sud. C'était plutôt cool. Il y avait Eric aussi, avec Eric on était au milieu. Alors en début de QSO, on faisait un petit peu les QSP entre l'un et l'autre, là, un au nord et un au sud. Mais bon, sur la fin du QSO, on a réussi à. Ils arrivaient à s'entendre. Ça, c'est toutes les conditions. C'était amélioré, donc on a pu bien profiter, voilà. On avait fait quelques essais en FM aussi, ça avait l'air de passer un peu en FM. Alors les deux OM, à chaque bout du département, ne s'entendaient pas bien, mais depuis Bordeaux, voilà, on arrivait en FM à avoir une bonne qualité d'écoute, c'était plutôt pas mal. Voilà, donc voilà, mais il faut continuer. Après, je rebondis sur ce que disait Rémi vite fait avant de retourner le micro, par rapport au fait qu'il y ait sans doute des OM qui nous entendent et qu'on ne répond pas parce qu'effectivement, ils n'entendent pas. Savoir que sur la région bordelaise, on a un fond de QRM qui est assez important. Alors pas partout, il y a des zones qui sont plus tranquilles que d'autres, hein, bien sûr. En ce qui me concerne sur Bordeaux ici, il y a toujours un fond entre 2 et 3 QRM en signal. Hein, donc forcément des stations qui sont éloignées, qui m'entendent peut-être bien, sans signal avec une bonne radio. J'ai aucune chance de les entendre en retour, à moins d'avoir, on va dire, quelques whisky en plus, voilà. Donc c'est pour ça. Je repasse le micro à Rémi, je sais pas si Belfegor a la copie, voilà, pour que tu fasses les QSP éventuellement. Et voilà. Ok, Belfegor, est-ce que tu as eu Roger là de Dolu 33? Ah, il y a un break aussi. Ah, enregistrer le break, oui Belfegor. Mais je trouve que c'est super sympa, parce qu'au moins, voilà, par
rapport à ce que j'ai pu entendre, au moins tout le monde a les idées claires, a agi trois fois, voir le QSO du site, voilà. Et puis voilà, puis je trouve que le dimanche matin, c'était tout cool, voilà, tout le monde est décontenancé, c'est ça. Je trouve cette démarche super sympatoche. Mais ça, c'est mon avis, après, c'est perso, hein. Donc, tu peux voir la pratiquement. Ok, de toute façon, son message, tu pourras le retrouver là dans la vidéo, car il me reste encore 1 minute 30 là, de vidéo. Donc, là, tu pourras retrouver son message dedans. Donc, là, ce dimanche, par contre, il ne pourra pas être présent dans le QSO. Hein. Mais par contre, ouais, il entend bien poursuivre cette idée, car ça permet aux gens qui ne peuvent pas être présents le vendredi soir ou le samedi soir, d'être justement là le dimanche matin. Il y a eu un break, en avant le break, et s'il ne m'entend pas, retour à toi Ludovic, puisque c'est toi qui l'as entendu. En avant le break. C'est très 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 QRP là de mon côté. Retour à Ludovic, parce que là j'ai entendu parler dans le lointain, mais c'est vraiment trop QRP de mon côté. Retour à toi Ludovic.